Oh oh oh! Bonjour à tous, j'espère que cette petite intro faite par Megavolt de Gamezik vous aura plu. C'est exceptionnel que je la mets, c'est pour Noël, c'est pour vous! Oh 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 oh! Alors aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons passer au programme de la semaine d'MLDEG. Lundi 23, vous aurez le droit au deuxième épisode de Super Mario World Great Strike Back. Et le dernier épisode de The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, oui. Mardi 24, ce sera le 9e épisode de GoldenEye et la suite de Super Mario 3D World. Mercredi 25, c'est ma journée, c'est Noël. Et donc MLDEG vous propose un épisode de Minecraft et la suite de Super Mario 3D World. Oui, parce que maintenant Super Mario 3D World va passer en une vidéo par jour. Jeudi 26, ce sera une journée spéciale Mario car il y aura le 8e épisode de Super Mario Sunshine et la suite de Super Mario 3D World. Vendredi 27, ce sera la suite de F-Zero et la suite de Super Mario 3D World. Samedi 28, ce sera la suite du hack de Super Mario World Great Strike Back et la suite bien évidemment de Super Mario 3D World. Et enfin dimanche 29, un épisode en coopération de Minecraft et la suite de Super Mario 3D World. Voilà, c'est tout pour le programme de la semaine, maintenant nous allons passer à ses tournages. Super Mario World Great Strike Back, il a tourné que 3 épisodes. GoldenEye 007, il n'a tourné que 8 épisodes, donc l'épisode qui sort mardi, il va devoir le filmer assez rapidement, voyez. Super Mario Sunshine, il a tourné que 7 épisodes, donc encore une fois, il va falloir qu'il tourne. F-Zero, je crois qu'il vous l'a déjà dit, mais il l'a déjà terminé. Et enfin, Super Mario 3D World, il n'a tourné que 14 épisodes pour l'instant. Voilà, c'est tout, et maintenant, nous allons passer à ses achats de la semaine, ou plutôt, le cadeau que je lui ai fait pour Noël. Voilà, je lui ai offert Hyrule Historia, une encyclopédie sur l'histoire de Zelda. Un magnifique ouvrage traduit en français par les éditions Soleil Manga. Vous voyez, je l'ai mis un peu derrière, là. Il est pas beau, ce livre. Je vous invite à l'acheter rapidement parce que il va bientôt y avoir rupture de stock. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Et il n'y a qu'une seule question cette semaine. Ça tombe plutôt bien parce que la barbe me griffe un petit peu le visage. Il va falloir que je me rase. C'est une question de lui, Caudray. Combien de temps maximum as-tu passé devant un jeu sans t'arrêter? Alors, MLDG me dit de vous dire que le jeu auquel il a le plus joué dans sa vie sans s'arrêter, c'est Counter-Strike Source. Il m'avait dit une fois qu'il avait commencé à jouer, il était 14h de l'après-midi, et il s'était arrêté à 9h du matin le lendemain, sans s'arrêter, sans manger, sans aller faire pipi ou popo. Il était pas bien dans sa tête, le petit. Mais il me dit de vous dire aussi que c'était de très bons moments qu'il avait passé sur ce jeu. Il était doué, mais aujourd'hui, ça fait des années qu'il n'y a pas joué, donc ça doit être un gros noob. Et bien voilà les amis, sur ce petit Wix vidéo très rapide, parce que le Père Noël n'a pas que ça à faire de rester ici, il a tout le monde entier à faire le tour. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne semaine auprès d'MLDEG. Au revoir tout le monde. Hello tout le monde, c'est MLDEG et bienvenue dans le... Comment ça? Comment ça il... Qui ça? Le Père Noël l'a déjà fait? Hein? Oh! Sympa! Bon bah merci Père Noël et puis bonne semaine à vous hein. Allez, à très bientôt!